Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on va faire le reste des fournitures scolaires pour Clara vu que Dylan s'est tout bouclé. Voilà, donc je vous laisse et en même temps je vais faire les courses et en même temps il faut que j'aille déposer des courriers, etc. Et voilà. Là j'ai déjà déposé des courriers dans les boîtes aux lettres, à la poste, etc. J'ai aussi mis les inscriptions dans les écoles pour Clara et Dylan. J'ai un petit peu de retard mais c'est pas grave, hein. Et là maintenant, je vais regarder la liste et on continue dans la lancée. Je vais vite à la banque poser un chèque et c'est tout. Bon ben la banque elle est fermée, donc du coup on s'est posé, on a cherché une glace, on s'est posé sur un banc. Et après on va faire les courses. Où allons-nous maintenant faire les courses? Alors là, on a pris déjà les affaires scolaires. Après, on a pris du pain de mie, là, des yaourts, après des gnocchis, enfin des pâtes là et des gnocchis. J'ai vite aux œufs. Ça, c'est quoi? C'est des tartes vite fait. Des tartes vite fait. Après, le manger pour les chats, Grisou. Après, des croquettes. Voilà. Après, on a pris quelques shampoings là au fond et là, là. On a pris des morissettes, du fromage, encore du fromage, là. Il y a encore des yaourts. Ouais, pour l'instant, on vient, continue. Et, on va au rayon fromage là-bas maintenant. On a aussi pris des œufs. Vas-y, filme, mais pas les gens. Filme les rayons, pas les gens. On va au fromage même. Je filme par les rayons. Pas les gens, mon cœur. Voilà. Les rayons. Ouais. Mais il y a un méga zoom dessus. Parce qu'on voit juste comme ça. Ah ouais. Tu l'as mis? Non, j'ai rien mis du tout moi. Bon, tu tiens le, hein? Ouais. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, le gruyère. Voilà, en haut. En bas. Alors, une fois de la mozzarella en coco. De la mozzarella en coco, donc du gruyère comme ça quoi, mais ouais tu vois il y a marqué comté et il y en aura un il y a marqué mozza. Ah, mozzarella râpée, c'est bon, t'as trouvé? Ouais, ok. Donc, ensuite il me faut de la mozzarella en boule, en boule, elle est là. Voilà, j'en prends deux. Une, ça va suffire peut-être. Ouais. Et je vais prendre en boule, celle-là. En mini-boule? Ouais, en mini-boule. En mini-boule. Ensuite, le gruyère. Le gruyère. Voilà. Voilà, je vais checker sur la liste. Mozzarella rond, mozzarella coco. Ensuite. Froid? Ouais, il fait froid. Tu peux couper un petit peu. Ok. Coucou, aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui j'ai coupé les cheveux de Didou. Donc là j'en ai voulu partout. Il est allé à la douche. Il va falloir que je balaye. Et voilà. Non, on n'est pas jeudi, pardon, on est vendredi. Regardez, j'adore lui faire cette coupe en fait. C'est trop joli. Bon là on n'a juste pas fait de dessin. D'habitude je lui fais un petit dessin. Mais franchement ça lui va trop bien cette coupe. Je lui fais à chaque fois celle-là. C'est trop bien. Donc je fais un 3 mm sur les côtés. Et je fais un 9 mm mais en partant vers l'arrière. Comme ça fait pas vous comme ça. Et ça fait vraiment un dégradé. Un genre un trop beau. En plus avec l'éclaircissement maintenant des cheveux et tout. C'est trop bien. Comme ça te va trop bien. Souris un peu. Ouais. Bah oui, mais t'es encore bronzée, toi. Moi, je pèle. Je commence à perdre mon bronzage. Je commence à peler. Je suis dégoûtée. Faut que je fasse un gommage. Donc là, on a mangé vite fait. Petit, des trucs froids. Hein, du saucisson. On a mangé
Bon, des trucs froids quoi en fait, on a grignoté. Là, je suis en train de faire encore un dernier montage vidéo. Comme ça, ça télécharge pendant que je pars avec le petit parce que j'ai décidé de lui faire une petite surprise. Clara est toujours en vacances chez sa mamie, ses grands-parents ne veulent pas me la rendre. Ou alors elle veut plus rentrer, je sais pas. En tout cas, là, elle va encore... vous la verrez pas souvent parce qu'elle va passer encore 2 semaines en vacances avec ses grands-parents. Ses grands-parents l'invitent dans le sud. Elle va repartir en vacances et elle a trop de la chance, voilà. Donc là, je termine juste le montage vidéo de Clara. J'adore monter ses vidéos parce que là, c'est une vidéo où elle va présenter un kit de baume à lèvres que je lui avais acheté. C'est juste trop bien comme elle fait, ça me détend et j'adore. C'est comme un ASMR en fait, tellement elle a des gestes tout doux et tout, c'est trop bien. Donc je vous la mettrai en ligne après ces vlogs là, je pense. Donc je termine, je la convertis et pendant qu'elle convertit, nous on part. Comme ça, c'est pas du temps perdu. Il est beau ce parc, hein. Aïe. Là, on est en train de faire le labyrinthe. Là, il faut sentir. On va se perdre dans le maïs. L'odorat. Vous touchez là-dedans ? Non, vous touchez. Ah oui, il faut découvrir. Non, non, on n'enlève pas tes chaussures maintenant. Moi, j'aime pas ça. En fait, t'as plein de gens avec des verrues et tout dégueulasse. Quel animal n'a pas développé son sixième sens mais pourrait le faire? Ah, c'est nous! Ouais, hein, c'est un parc très naturel, c'est trop bien. Regarde le beau papillon. Mais c'est un fou. Ben non. Comme il est gros. Il est vraiment magnifique. Attends, il y a un papillon, bouge pas, j'essaie de prendre photo. Magnifique. Oui. T'as vu ça? Les ailes. Ouais, moi aussi j'attends. 1, 2, 3, soleil. Allez, ouvre-toi. Bon, allez. Il veut pas. Il fait quelque chose. Ah, il n'a pas. Oh là là, oui, il va trop. C'est mignon, hein. Ils ont des arbres, non? Bah oui. Ils chassent. Ils font comment? T'as vu comme ils plongent? Bah c'est comme ça, ils sont nés comme ça, ils ont l'habitude. Là, il y a un super parc de jeux dans la nature. Il y a personne. Tu vas voir là. Ouais. Attends, j'ai essayé de te la prendre en photo. Bonjour Madame Cigogne. Ah ça c'est des bébés. Ils se disputent. Ils se taquinent. Tout le monde est en liberté dans ce parc. J'ai pas envie de me faire courir après. Hein. Il y a les petits ragondins là. Ragondins. Alors le parc où on est, je vous explique avant qu'il y ait des critiques, ce n'est pas un zoo, ce n'est pas un truc comme ça, c'est vraiment un parc naturel protégé en fait. Ils réintroduisent des loutres et des cigognes pour les aider à se redévelopper parce que c'est en voie de disparition, en voie de disparition. Donc en fait ce parc est vraiment, comment dire, libre. C'est comme à la montagne des singes, c'est vraiment les animaux sont chez eux ici. Il n'y a pas de clôture au-dessus, ils peuvent vraiment les cigognes s'envoler et tout, revenir. Et ils récupèrent les œufs pour justement les réintroduire. Hein. Et pareil pour les loutres, en fait, ils s'occupent d'eux, ils les soignent, ils les préservent. Je viens d'avoir un fou rire parce qu'en fait, là, mon fils devait sentir les odeurs des animaux. Et c'est ça, le 6. Mmh. Et il sent cette odeur, il me dit ah ça sent vachement bon, ça sent un peu papy. 6, c'est de la peau de vache.